Nous sommes le 26 mai, et évidemment aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer le 26 mai 1993, le jour où l'Olympique de Marseille a remporté la seule Ligue des Champions de l'histoire du foot français. Pourtant, il y en a d'autres qui ont essayé, hein, je vous le promets. Mais le 26 mai, c'est également l'anniversaire de la naissance d'Edmond de Goncourt en 1822. Edmond qui, avec son frère Jules, va écrire tout un tas de romans et fonder l'Académie des Goncourt. Ce qu'on sait moins sur les deux frères, c'est qu'ils sont à l'origine de beaucoup de néologismes, c'est-à-dire qu'ils ont inventé plein de mots. La plupart de ces mots sont complètement flingués et ne sont pas passés à la postérité, même si certains sont marrants. On a par exemple anecdotier, jolité, figarotin, pour parler des abonnés du Figaro, lèche-culatif, criticule, poulomanie, pour dire les amateurs de poulet. Mais il y a malgré tout quelques néologismes des frères Goncourt qui sont passés à la postérité et qui sont rentrés dans le langage courant. Réécriture, américanisation, déraillement, foultitude, scatologique, mécanisation, talentueux. Ben j'ai envie de dire merci.